Coyou à tous, ici Lou et bienvenue dans L'Outre Façon de Jouer, la seule chaîne YouTube avec des loutres tueuses de monstres abominables. On se retrouve pour une nouvelle série, je pense, régulière. Je n'ai pas encore totalement décidé, mais je pense que ce sera une série régulière sur Evolve. Alors, Evolve, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un jeu avec gameplay asymétrique. 4 joueurs contre 1, 4 chasseurs contre un monstre. Les 4 chasseurs doivent faire équipe pour tuer le monstre et le monstre doit démembrer un à un tous les chasseurs pour rester le seul survivant. J'adore le concept, le fait qu'il y en a un qui joue le monstre et l'autre et les autres les chasseurs. Donc on va voir ce que ça donne. Je ziotais sur ce jeu depuis un moment et j'ai pu enfin l'acquérir. Et donc on va commencer par faire la campagne solo. Alors je sais pas ce que ça donne la campagne solo. J'ai juste fait les didacticiels pour apprendre à jouer le monstre et le chasseur de base. Donc je sais pas ce que ça donne en solo. Donc on est parti. Je vous laisse apprécier les cinématiques. J'en profite par la même occasion vu que je les connais pas non plus. Et je crois que c'est le premier vrai gros jeu que je vais tourner sur ce PC, donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai mis les graphismes élevés exprès pour vous. Ça va être nickel. Ça va être magnifique. C'est joli en tout cas. Je pense que dans la campagne solo, on va plutôt jouer les chasseurs. Vous êtes sûr de votre coup? Ces créatures ont débordé les forces de sécurité coloniale en moins d'une semaine. De toute évidence, ce ne sont pas de simples bêtes sauvages. C'est clair. On y va, Bucket. Apparemment, ce sont les créatures qu'on doit abattre. Je viens d'avoir le commandant de la colonie. On nous a dit de laisser tomber les bêtes sauvages. C'est maintenant une évacuation à l'échelle de la planète. Équipez-vous. Saut dans 5 secondes. Rejoignez-nous, explorer. 5 secondes, c'est rapide, hein. Vous avez oublié tomber dans un hachoir à viande dans votre slogan, patron. Il y a beaucoup de gens sur cette planète, Abe. Si on ne fait rien, ils vont tous mourir. Bucket, tu sais ce que sont ces créatures? Personne ne le sait. D'après les archives, espèce animale inconnue de grande taille, particulièrement rusée, agressive et toujours affamée. Son taux de croissance et de reproduction est alarmant. Ils ne sont probablement pas originaires de... Les monstres. On va chasser des monstres. Ouais, ça c'est cool. Et ils attendent à ce qu'on évacue toute la colonie? Eh ben, j'espère qu'ils seront pas trop déçus. Pour le moment, ils luttent pour leur survie. On va couvrir leur retraite. Et on va évacuer le plus de gens possible. Ça me va bien. J'ai toujours rêvé de mener la retraite face à un ennemi impossible à vaincre. C'est désespéré. Mais rien n'est impossible. Je me demande si tout ce qu'on voit, c'est tous les avatars qu'on peut jouer, acquérir avec la tous les DLC. Navette est dans 5 jours. Nous essaierons de la remplir au maximum. 5 jours de combat, de gloire. Barkov, en fait, il se croit en vacances. 5 jours à foutre le feu, à tout cramer. C'est pas des vacances. Putain, c'est le paradis. Ok, alors lui, ça doit être un bourrin, je pense. Alors, partie rapide, évacuation, personnalisée, rejouer les didacticiels. Ok. On va commencer par une partie rapide, pour voir. Je découvre en même temps. Les chasseurs ont été engagés pour une mission de sauvetage. Ouais.
un monstre a attaqué le complexe et se trouve encore dans le secteur. D'accord. Des groupes de colons ont fui dans la nature. Les chasseurs doivent localiser et ranimer chaque groupe de survivants, puis les conduire à une navette de secours. Ok. La partie se termine lorsque la majorité des survivants ont été sauvés. Ok, d'accord. Ok, donc là, faut juste... Ah, et là, on peut choisir de jouer le chasseur ou le monstre. Bon, on va commencer par le chasseur, on fera le monstre après. Ok, les chasseurs devraient animer évacuer 5 survivants avant que... Oh là, avant que le monstre ne tue 5 de ces derniers. Ok. Donc, on va dire que ça va aller, hein. Je me demande si on joue le soldat de base, enfin le DPS, je sais pas si tu... Parce qu'ils disent qu'on joue le chasseur, mais il y a 4 rôles différents. Il y a le DPS, il y a le soigneur, il y a le soutien, il y a le trappeur. Ouais, je crois que c'est le trappeur qui sert à piéger le monstre. Je me demande de quel on joue, si on peut choisir. Parce qu'ils me disent de jouer le chasseur, mais ils m'ont pas donné. Et dans les tutoriels, c'était le DPS qu'on jouait. Donc... je pense que ça va être lui que je vais jouer. On verra bien. Alors, le barrage. Putain, là les temps de chargement par contre. Allons voir. Ah bah voilà. Choisir une classe. Ok, alors j'ai déjà joué. Piège, voilà c'est ça. Inflige des dégâts au monstre, piège le monstre pour le trappeur, soigne les chasseurs, renforce les chasseurs pour le soutien. J'ai déjà joué lui, on va tester lui. Maggie. Ah ouais. Et donc ça c'est tous ceux qu'on peut avoir. Alors j'ai déjà débloqué lui au moment où j'ai acheté le jeu. Et je le trouve assez cool, donc je pense que je vais jouer lui. Elle je l'aime pas trop. Lui je le trouve cool aussi. Lui ça va aussi. Ah faux. Ah oui, améliorer tout l'équipement de Maggie pour débloquer Griffin. Améliorer tout l'équipement de Griffin pour débloquer Abe. Ok. Ok, bah je vais jouer lui. Pour l'instant. Arène mobile. Ok, bah je connais pas trop les trucs. Donc, hop, tous sont joués par des bots bien sûr. Choisir une compétence. Augmente la hauteur de saut de 200%. Bah j'ai pas trop le choix en même temps. Ok, ce sera très bien, t'es point mort comme ça. On va affronter un Goliath. Ça c'est la créature que j'ai déjà joué. Il y en a... Je sais plus combien il y en a des gros monstres. Il y en a 3 de base, une quatrième si on a précommandé le jeu, une cinquième avec un DLC. Moi j'ai la cinquième, mais la quatrième je crois pas l'avoir. Il traque et piège le monstre. Ah bah justement, il va expliquer ce que je fais. Votre chauve-supplice apprivoisé signale toute créature à proximité. Envoyez-le dans une direction et il finira par renifler le monstre. Ah c'est cool ça. Le pistolet à stase ralentit le monstre. Les tirs rapides ralentissent momentanément le monstre. Ok, ça c'est cool. Maintenez la gâchette pour charger un tir qui ralentira le monstre plus longtemps. Ok. Permettant ainsi de changer d'équipement. Ça c'est cool. Les tirs rapides du fusil à canon long infligent des dégâts critiques. Maintenez la gâchette pour charger un tir. Et vous pouvez transpercer l'armure du monstre. Cool. Et attaquer directement sa santé. Ah ça c'est cool ça. N'oubliez pas d'utiliser votre arène mobile. Arène mobile. Ah ok d'accord. Donc ça piège le monstre. Et dans le coup on peut l'avoir à notre merci. Ok. Ok bah ça a l'air cool. Vérifiez votre matériel. On va pas prendre de risque sur ce coup. Les boucliers sont chargés ? Chargés à bloc. Comment ok. Le trappeur ? Présent. Ok, et ok. Soigneur. Ouais, mec. Prêt pour l'assaut. On dirait que tout est prêt. On va voir ce que ça donne. Vous aider, alors tenez-vous bien. J'espère que ça va pas trop laguer. Parce que j'ai jamais fait tester. Sauver 5 survivants. Ok, localiser les survivants. On va voir. C'est moi ça lag un petit peu. Je ne suis pas sûr. Alors. Non, c'est pas celui-là. C'est.
Ah! Non, ça c'est celui qui ralentit, et celui qui fait des dégâts, c'est celui-là. Ok. Ah, le survivant. Les oiseaux, en cercle. Alors, voyons voir. J'essaye de tirer. Alors, les têtes de mort, c'est là où il y a les. Où il y a les morts. Le monstre est tout près. Ah, le monstre a attiré des oiseaux par là. Donc, le monstre est là-bas. Ok. Un survivant. On a une chance de bousiller ce machin avant qu'il bouffe encore. Alors, vaisseau en approche, ok. Deux survivants ici. Évacuation dans. Bientôt. Ça va, ça lock pas trop. Je voulais faire quoi? Je voulais tester. Oui, voilà. Lui, je vais l'emmener là. Voilà, là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Plein de monstres. Ok, plein de monstres, on voit plein de monstres. Enfin, moi je vois plein de monstres en gros. Montez à bord de ce vaisseau. Voilà. Hop, zone d'évacuation, c'est là-bas. Donc. Ouais, non mais attendez. Un scarabée, c'est moi ou ce truc porte très mal son nom? Non mais non. Je vais tester ça. Ah. Aïe. Je me suis fait choper. Je sais pas où il est dans le coup. Le monstre. Je me fais soigner. Alors, c'est. Faut que j'apprenne à me repérer. Faut que j'apprenne à les automatiques. Enfin, les automatismes, pardon. On a un jetpack qui nous permet de voler aussi. Hein. Je localiser les survivants. Ah, c'est bon. Hop, là ça va. Les survivants, il y en a. Par là. Est-ce que faut que je monte par là? Voilà. Donc, il est déjà là-bas lui. Il est déjà là-bas. Ah, mais il se fait démonter. Allez, tiens, toi là. Prends-toi ça. Tu vas mourir. Voilà. Ah, ramasser le bonus. Alors ça, c'est des monstres albinos qui sont plus forts. Donc dans le coup, ça donne des bonus quand on les tue. Oula, il est là le monstre. Où est-ce qu'il est? Je vais le ralentir. Où est-ce qu'il est? Ah non. Attention. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Je vais balancer mon truc parce que je vois pas où il est. Ah, pas là-bas. Où est-ce qu'il est? Allez. Je tire sur les points faibles. Ah. Aïe. Ah, c'est lui qui me crache des flammes. Ah, Franck, lui, il est réanimé, c'est bon. Où est-ce qu'il est? Énergie cinétique. Oula, il se passe plein de trucs, je suis pas sûr de tout suivre encore. Ah, il y a eu des morts, ok. Je suis allé par là. Non. C'est pas... Il est où mon pistolet qui ralentit? Il est où? Où est-ce qu'il est? Où est le monstre? Insecte lancé. Ah, où est le monstre? Je trouve pas le monstre. Ah, oula, à mon avis, lui, il est en train de se faire bouffer. Je vais aller sauver celui-là. Allez, tu vas y arriver. Oui, c'est bon. Où est le monstre? Où est le gros monstre, par contre? Il est là. Tiens, je vais te ralentir. Allez. Non. Toi, t'es bien ralenti. Non. Allez. Faut que je tienne 33 secondes. Ça va le faire. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est?
Où est ce monstre? Merci, soigneur. Où est ce monstre? Ah, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est. Sauvez votre coéquipier. Avance. Il m'a eu, je suis touché. C'est qui? C'est lequel? Bordel de merde. Ce salopard. Il a fait le tour. Il a fait le tour. Ah. Tiens, prends-toi ça, tiens. Allez. Ça va saigner. C'est un peu le bordel. Encore pour l'instant, j'arrive pas à suivre tout ce qui se passe. En tout cas, il a bien morflé lui. Allez. Non. Allez. Toi, je vais te sauver. Ouais, je vais te remettre debout, t'en fais pas. Allez. Hop, y'en a. Allez, plus qu'un à être sauvé. Allez-y. Je vous couvre. Ah, il est là-bas. Non, il est par là. Faut que je le ralentisse. Oui, c'est bon. Ouf. C'était chaud. Wouah. Ok. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je sais pas si je me suis bien débrouillé. C'était très anarchique, on va dire. très anarchique. Ok, ralentissez pendant 10 secondes, lance. J'ai pas eu le temps de regarder tout ce qu'il y a. Ok. D'accord. Avec un tir rapide, ok. Et donc ça, si j'améliore ça, ça me permettra de débloquer des nouveaux trucs. Détection de monstres. Ok, moyenne globale. Ah ouais, mais faut que j'apprenne à l'utiliser. Ouais, faut vraiment que j'apprenne à l'utiliser. Alors, maintenant, on va tester la même chose, mais dans la peau du monstre. Si je peux. Oula. Ah, c'était juste pour le chargement. Chasse. Les chasseurs doivent trouver et tuer le monstre avant que le monstre ne les tue. Lorsque le monde atteint le stade 3... Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. Le monstre n'est pas la seule créature à pouvoir tuer un chasseur isolé sur Shire. Shire, ça doit être la planète à mon avis. La planète où on est. Ah ouais, ils ont eu le temps de construire tout ça et ils se sont pas rendus compte qu'il y avait des énormes monstres qui massacraient tout le monde. Sérieusement. Ils ont eu le temps de construire un nightclub quand même. Ils ont eu le temps de construire un nightclub, mais pas assez de temps pour voir qu'il y avait des monstres. Alors là, ils sont forts les mecs. Bon, peut-être que les monstres sont apparus après, je sais pas, j'ai pas tout suivi, mais quand même, faut le faire. Ça c'est la zone d'après, je pense. Ah donc je vais continuer à jouer le chasseur alors. Ça me paraît très logique. Chasse, ouais, je pense que ça va être ça. Je vais continuer à jouer le chasseur. Est-ce que je continue à jouer Crow ou pas? Non, je peux choisir. Alors, Trapper on a fait. Je vais vous montrer le DPS. Parce que dans le coup, voilà. J'en ai pas d'autres. Ah si, je peux jouer lui. Markov, Torvald. Lui, je l'ai déjà joué, donc je vais pouvoir vous expliquer ce qu'il fait assez facilement. Bah, j'ai pas trop le choix. Et déploiement. Ça, c'est plus ou moins l'équipe de base qui t'apprennent dans le tutoriel. Il y a juste lui remplacé par le barbu là. Lui je le connais pas, le Kraken. Ok, je vais découvrir. Je connais pas cette créature. Pas encore. Bon, on va tester. Ça va déferrouiller. Grave. J'ai hâte justement de voir toutes les créatures qu'il y a. Toutes les tactiques qu'il peut y avoir, etc. J'aime beaucoup ce jeu. Après, faut voir tous les types de missions qu'il peut y avoir. Une cinématique. Pour Mars. Ça saccade un petit peu quand même, je trouve. Est-ce que c'est parce que j'ai voulu trop pousser ouais. J'avais pas de problème en élevé à jouer, mais là, vu qu'elle record en même temps, c'est plus chaud. Ça faisait pareil tout à l'heure à cet endroit-là, mais ouais,
ça lag un petit peu. Oula. Vous savez quoi? On attend. Graphisme. C'est à élever. Bah. Ah mince, je peux pas choisir. Je peux pas choisir les graphismes. Là. Ok. Bah tant pis. On va reprendre. De toute façon, c'était mieux. Oui, là. Donc alors, il a un pistolet électrique. Un pistolet qui tire normalement. Il peut poser des mines. Et il a un bouclier perso. Donc on va prendre le pistolet électrique parce que c'est bien pratique. Ah, on serait par là. What? Pourquoi c'est ma patte qui s'est transformée en monstre? C'est la peur. Dis adieu à ce monde, saloperie. Je ne sais pas où est-ce qu'il peut être ce monstre. Ah oui, d'accord, c'est le monstre doit être dans le coin alors. C'est ce genre de créature est habituel. Ah. Oui, Cabot nous a recrutés. Il recrute les meilleurs chasseurs de la galaxie. Il y a des traces là, non? Maintenant, c'est des traces. Pourquoi? C'est des traces, ça. Oula. Ouais, les lags, c'est pas agréable du tout. Oh, je peux vraiment pas changer les graphismes? Sérieusement? Non, mais je veux juste changer. Bon, tant pis. Ah. Graphisme, rétablir les paramètres par défaut. Ouais. Ok. Appliqué. Voilà, c'était simple. Désolé que vous ayez à voir ça, hein. Mais si ça permet d'éviter de laguer, bon, en moyenne, ça reste très joli. Mais ouais, avec le record en même temps, je pense que ça lui en demande trop. Oui, je veux utiliser ces paramètres. Terra d'une par ici. Ah. C'est un petit. Voilà, c'est un peu mieux. Avec le record, c'est chaud quand même. Allez hop. Toi, je vais te démonter. Bon travail d'équipe. C'était facile. Donc le but aussi, c'est tuer tous les monstres pour éviter de les laisser aux gros, parce que les gros se nourrissent des plus petits. Les traces vont dans ce sens. Les traces vont dans ce sens. Donc moi, je suis les traces pour essayer de repérer les monstres. Hein, parce que... Ah. Monstre au stade 2. C'est pas cool ça. Et le monstre a 3 stades en fait d'évolution, si je me trompe pas. Enfin, au moins 3 stades. Je sais pas s'il en a d'autres après. Attention, il y a un dévoreur. Oula, c'est quoi ce truc? Ah ouais, je l'ai juste avant aussi ça. Il est mort? C'est quoi ça? Ah oui, c'est le. Il est là. Le monstre est là. Merci. Je devrais vous soulager. La tête de près. Alors, hop, je vais utiliser mon bouclier et je vais foncer dans le tas. Allez. Il faut que je passe une mine. C'est une petite mine, ça va lui faire plaisir, tiens. Hop, où est-ce qu'il est? Allez. Et qu'est-ce qu'il fait? Hop. Je recharge. C'est les qui volent. Quoi? Allez, vas-y, bouffe ça. C'est
c'est parfait. Le piège a fonctionné. J'ai un piège de près. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Il est là. Allez, je te touche. Allez. Toi, je vais te maîtriser d'une force. Ah. J'espère que ce jeu vous plaît, que vous avez envie de voir d'autres vidéos. J'espère que... Mince. Ça sert à rien, il est trop près. Il est trop loin, je veux dire. Donc parce que moi, franchement, je suis extrêmement emballé par ce jeu. Ça pourrait devenir une série régulière, remplacer un des deux épisodes de Don't Starve, soit le vendredi, soit le samedi. Je pense plutôt le samedi. Ah, voilà. Allez. Vas-y, meurs. Voilà. Ah. Ça c'est cool. Alors. Je suis là. Je te remets sur pied et tu retournes te battre. Je sais pas où il est passé. Il est par là. Allez. Tiens. Toi je te tue. Où est le monstre? Et ce monstre? Sûrement par là. Il y a des traces. Oh oui. Mince. Je me suis foiré. Sur mon jetpack. Le trappeur qui est là pour partir en éclaireur. Moi je suis les traces. Je sais pas si on le rattrapera. Faudrait peut-être essayer de le prendre à revers. Mais voilà, c'est plus agréable maintenant que ça lag moins. Tout de suite. C'est les risques du métier. Tout là-haut. Il y a quelque chose tout là-haut. Il est allé par là. Ah, j'espère qu'il va pas passer au stade. Hein? Une plante qui a faim. Logique. Bah, écoutez, vu le temps, je pense qu'on terminera la vidéo sur cet affrontement. Qui n'est pas terminé encore. Les plantes mangent les hommes. Tiens, dégagez. Ah, je vais peut-être recharger. Ouais. Allez, mais où est ce monstre? Drone 424 lancé. Où est ce monstre? Où est ce... Ah, il est là. Il est là. Je l'ai vu. Yes, GG. Il est piégé. Allez. Toi, je vais te démonter. Moi, je suis là pour faire le DPS. Ah, il a un bouclier, il a dû bouffer des trucs. Je démonte son bouclier. Hop, je repasse mon armure. Allez, ça peut le faire. Regardez, merde, j'ai plus mon bouclier. J'attends qu'il se recharge. Allez, faut que je vise le point faible. Le point faible, là, c'est le petit rond qui se produit ici. Où est-ce qu'il est? Il est là. Avec les explosions, des fois c'est dur de suivre le monstre. Allez. Là, il est bien piégé là. Parce que ça fait dégâts x2 quand on tire sur le point faible. Allez. Non. Tu t'en tireras pas comme ça. Allez, reviens. Ah, je l'ai. Allez. Hop. Un coup de boost vers l'avant. Il est par là. Je prépare les mines. Où est-ce qu'il peut être? Ouais, à mon avis, il est plus par là. Ah. Non, c'est derrière ça. Où est-ce qu'il est? Ah, là. Par là. Je pense qu'il doit être par là. C'est... Il y a aussi le côté chasse qui est assez intéressant pour poursuivre. Ah. Là-bas. Regardez, le monstre a fait bouger les oiseaux. Ils ont eu peur. Et donc, dans le coup, ça nous indique sa position. Allez, je vais te démonter. J'en profite pour faire mon bouclier. Ah, il s'est remis une petite armure. En fait, quand il bouffe, il augmente sa force et sa résistance. Et donc,
donc c'est pour ça qu'il faut éviter de laisser trop. Allez, il faut laisser trop, éviter de laisser trop vagabonder parce que d'un coup il peut se nourrir sur des petits monstres. C'est aussi pour ça qu'il faut tuer les petits monstres. Allez, on va. Presque, on y est presque. Yeah! On a réussi! On a réussi! Piou! Eh ben c'était cool! C'était cool, c'était cool! De la vraie bonne chasse aux monstres! Ça c'est cool! Réfugié 2220 dégâts. Niveau 2! Putain, on est niveau 2. Passer d'une arme à l'autre 50% plus rapidement. Ok. Nouvel élément débloqué. Ah, j'ai débloqué un élément. Ok. Maîtrise du personnage. Ça, c'est propre au personnage. Ok. Je commence à essayer de comprendre les mécaniques du jeu. 4000 points de dégâts. Ça, c'est fait. Ok. Précision plus 2%. Ok. Ok. Moyenne Globe Blast, 73 dégâts, c'est tout. Mais les gens, ils sont pas forts. Enfin, je veux dire, ils. Ouais, bon, après tout, je dis ça, j'en sais rien. Ouais, j'ai fait pas mal de dégâts. En même temps, c'est mon rôle de DPS. Hein. Je suis là pour bourriner le monstre le plus possible. Donc, c'est pas mal. Tiens, changer de camp. Bon, on va faire retour quand même. Ah, trop tard. J'ai été trop lent. C'est pas grave, je vais quitter la partie. Ah ouais, donc en gros, si j'ai bien compris, partie rapide, ça enchaîne les types de parties comme ça. Ok, ok. Donc il n'y a pas vraiment de campagne solo à part... ouais, à part tuer... à part l'histoire, ouais, faut aller sauver le maximum de gens et tout. Ouais, ça a l'air de se résumer à ça. Et c'est plus un prétexte pour avoir différents types de missions que qu'une vraie campagne solo. Mais bon, c'est pas. Après, le jeu est vraiment pensé pour le multi, hein, du 4 contre 1. Fallait s'y attendre. Je vais faire quitter la partie. Il est vraiment pensé pour du multi. Donc je pense que je vais continuer de faire un petit peu de vidéos solo pour m'entraîner, pour m'améliorer, pour vous montrer aussi le gameplay du monstre. Et une fois que je serai bien entraîné. Je vais m'attaquer au multi, au vrai multi, jouer avec d'autres gens. Ça sera d'autant plus fun. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des gens que je connais avec qui je pourrais jouer dans le coup. Il y aura sûrement le chat vocal. Alors je sais pas si je le désactiverai pour parler avec vous ou si je le laisserai et dans le coup. Bah, vous pourrez participer. En fait, je vous parlerai pas spécialement sauf entre les parties quoi. Mais je pense que ce sera aussi en anglais, donc le chat sera sûrement en anglais. Je sais pas s'ils vont me mettre avec des français ou des francophones, aucune idée. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur Evolve. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant j'adore ce jeu, je trouve pas grand chose à lui redire. Oh, si ce n'est le fait qu'il n'y ait pas de mode solo, mais bon, de vrai mode solo. Enfin, pas de vrai mode histoire, parce qu'il y a un mode solo, mais c'est pas un mode histoire. C'est le seul bémol que je vois pour l'instant, mais sinon c'est fun. Des deux côtés, c'est fun. Chasser le monstre et jouer le monstre, c'est fun. C'est pas du tout la même chose, mais c'est fun différemment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de regarder la suite, de suivre ma progression sur Evolve. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, mettre un petit thumb up, partager la vidéo, etc. Et moi je vous dis hop à la prochaine vidéo. See you!